De montage, c'est finalement la chose sur laquelle on se repose le plus en tant que créateur. Parce que une fois que la vidéo est faite, ce qui va lui donner sa forme, c'est le montage. C'est ce qu'on va tirer d'une image, puis d'une autre, puis d'une autre. Finalement, on pourrait presque faire la comparaison avec de la peinture en disant que le montage, c'est le pinceau qui va égayer et mettre en forme notre vidéo, notre toile. Je pense que peu importe le logiciel dont on se sert, si on le maîtrise, on peut tout faire avec. Ou en tout cas, faire pas mal de choses, ce qui reste un plaisir immense, surtout lorsque l'on aime faire ça. Après, si on n'aime pas trop, on peut toujours réussir à se faire la main sur un logiciel assez simple, pour ensuite ne pas avoir besoin de constamment recommencer à zéro. Disons qu'un bon logiciel, c'est un logiciel qui comprend tes besoins de monteur, et qui donc saura aller dans la direction que tu souhaites une fois le tournage terminé. Comme simplement répéter les gestes que tu lui as montrés, construire la base, pour ensuite aller dans le bon sens que tu lui as donné, ou simplement t'aider lorsque tu commets quelques erreurs. Mais attention, le logiciel, aussi bien soit-il, ne pourra clairement pas tout rattraper. Car oui, la plupart du temps, et c'est pas que sur YouTube d'ailleurs, c'est aussi au cinéma, lorsque l'on a loupé quelque chose au tournage, ou qu'on s'est planté avec le son, ou qu'on a foiré un petit bout d'image, on se dit que le logiciel de montage va tout rattraper. Ou cette fameuse phrase, on rattrapera ça en post-prod. Tous les cinéastes, les vidéastes et les créateurs que je connais vous diront la même chose que moi là-dessus. On ne peut pas tout rattraper avec le meilleur logiciel du monde. Donc on se sort cette idée de la tête et on essaye de faire au mieux tout en essayant de réussir son tournage pour ne pas non plus avoir l'air d'un cancre. Bien sûr que l'on peut rattraper certaines choses au montage, mais il est impossible de rattraper ce que la caméra a capté et vous remettre en plein dans le nez une fois que vous serez sur votre ordinateur. Donc là-dessus, difficile de faire mieux que de simplement réussir son tournage. Après, une bonne image, mais un mauvais traitement, peut tout de même donner lieu à quelques surprises. Pour ceux qui maîtrisent le montage par la suite, donc on peut tout de même rattraper des petites erreurs, soyons honnêtes. Et pour le coup, je vais tout de même te conseiller un ou deux logiciels pour pouvoir jouer avec cela. Et pour le coup, je vais tout de même te conseiller un ou deux logiciels pour pouvoir jouer le plus possible avec cela. Pour ceux qui sont sur PC, disons que si tu n'as pas trop de moyens, il y a des logiciels gratuits extrêmement cool pour commencer. Mais le meilleur reste Adobe Premiere, ou encore Sony Vegas Pro, qui sont deux grosses références dans le genre, et si tu as moyen de te payer un petit After Effects, tu verras que tu pourras faire des trucs encore plus cool plus tard en sa compagnie. Pour les Pro Mac, bien évidemment, ruez-vous sur iMovie. Non, je plaisante. Quoique franchement ça se tient si tu débutes. Mais va plutôt te pencher sur Final Cut. La version 10 est très cool, t'aide à faire des rendus rapidement et te permettra en plus de jouer assez bien avec ton image. N'hésite pas, par le biais de ça, à compléter avec un petit logiciel annexe pour traiter ta colorimétrie et le tour est joué. Et franchement avec ça, tu feras des merveilles. Et bien du coup, vu qu'on arrive à la fin de ce mois consacré au montage, on va aborder un tout petit point sur l'expérimentation. Parce que je pense profondément que si on peut expérimenter avec tout les outils à portée de main comme je l'ai évoqué sur les derniers mois, le montage est un point sur lequel il faut expérimenter avec parcimonie.